Julien, prêt pour aller en CP? Ah ben oui, c'est déjà ta deuxième semaine en CP. T'es un grand maintenant, hein? Oui. Très bien. Elisa, tu vas aller à la garderie? Bon, je vais l'emmener à la garderie, je reviens après. Ok chérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Julien, te trompe pas de bus cette fois, hein? Alors Julien, toi tu prends le bus 3 aujourd'hui. D'accord. Bon, bah j'ai plus qu'à attendre que Mel revienne, hein. Un peu plus tard. Je suis rentrée. Super! On va pouvoir aller à ton travail, journée portes ouvertes. Je vais tout te montrer. Bon, bah je vais mettre en tenue d'infirmière et je vais te montrer un sauvetage. Super, j'ai hâte de voir ça. Alors, elle est où? Ah oui, elle est là, je l'ai trouvée. Tu es magnifique. Merci. Donc c'est ici que tu travailles, Maëlle, hein? Oui, Bah c'est c'est... ici. Oui, bah c'est un beau bateau, hein. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Bonjour, bienvenue pour la journée portes ouvertes des sauveteurs en mer, monsieur. Votre femme travaille ici, donc vous pourrez apprendre plus sur le métier. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu une petite tempête, donc il va sûrement y avoir des gens en mer, nous pourrons les sauver. Ah ouais, super, il va y avoir de l'action à ce que je vois, hein. Oui, vous ne pouvez pas imaginer. Quelle magnifique vue, hein. Oh, il commence à avoir beaucoup de vent. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux, Ralph? Non, je pense que ça va aller. T'inquiète pas, ce bateau est résistant. Ce n'est pas comme le Titanic. Ah oui, mais t'as bien dit, tu penses. Oui, bah, c'est sûr, on va dire. Excusez-moi, monsieur Ralph, mais je ne voudrais pas couler quand même, hein. S'il n'y a pas de risque, alors ça va. Mais s'il y a des risques, il faudrait mieux rentrer. Je vous dis qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Le vent souffle de plus en plus fort. Le bateau commence à tanguer un peu. Plouf! Ah, je remonte. J'ai froid, je suis trempée. Il y a une serviette. Oui, il y en a une. Nous allons rentrer finalement. Ça devient dangereux. C'est ce que je faisais que de dire. Ça tangue! Ah, je me suis réfugiée sur le bateau de sauvetage. Bravo Maëlle! Tu es trempée! Oui, et j'ai vraiment froid. C'est impossible de nager dans cette eau, il y a trop de vagues. Monsieur Ralph est blessé en plus. Je crois qu'il s'est évanoui en tombant. Ah, je vais prendre le contrôle du bateau. Faudrait déjà que tu reviennes. Je vais essayer. Vas-y, Maëlle, si tu tombes, je t'attrape. D'accord. Ah, boum. C'est bon, je t'ai rattrapé. Ah, ma tête. Les vagues se sont un peu calmées, mais faut pas parler de malheur. Ah, ça tangue trop. On va peut-être couler. Le bateau sauvetage, il s'en va. Bah ça y est, on n'a plus de bateau de sauvetage. Oh, ma tête, ça tourne. Maëlle, vite, j'ai trouvé une bouée, il va falloir sauter. Maëlle, à trois, il va falloir sauter. Ah, ah, ok, je te rejoins, Maëlle. Ah, ah, plouf. Eh ben ça y est, le bateau, il a coulé. J'arrive plus bien à respirer. J'ai la gorge qui me brûle, j'ai avalé une tasse. Tu as pris une tasse, tu veux dire? Oui, j'ai pris une tasse, même deux. On va essayer de rejoindre le port, il ne doit pas être très loin. Il nous arrive toutes les catastrophes du monde, c'est pas possible. Oui. Espérons que Monsieur Ralph ne meure pas parce qu'il est en mauvais état aussi. Oui, mon patron est très gentil. Allez, essayons de rejoindre le bord de la mer. Voilà une plage. Mais c'est le port de... C'est le port de la ville. Nous sommes sauvés, Maëlle. Oui. Et nous pourrons... Et monsieur, nous pourrons soigner Monsieur Ralph, oui. Bah oui, je suis infirmière. Oui. Bien, nous sommes sauvés.
Et comme d'habitude, après tous nos malheurs, tout est bien qui finit bien. Eh oui. Super.